Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire du PVP sur Dark Souls 2. Et ouais, les mecs, ça déconne pas. Et ouais, parce que c'est pas juste un jeu PVE. Non, bah non, faut pas déconner là. Non, c'est aussi un jeu où on fait du PVP et de la coopération. Et dont il y a pas mal de contenus qui sont liés à tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Bah, c'est quand il veut, hein. Parce que, bon, je l'ai invoqué. Mais les temps de chargement de la console sont assez longs. Ce sera mieux sur PC, du coup il faut le temps qu'il charge. Faut le temps qu'il charge. Mais une fois qu'il sera là, on va pouvoir se faire plaisir. Vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs assez fous. Donc là on va faire vraiment un combat extrêmement simple, vraiment se battre. Alors ça dépendra de sa spécialisation également et de sa façon de jouer. Mais c'est assez varié également à ce niveau là. Mais globalement, on va rester basique de mon côté. Et puis à partir du prochain PVP, donc le deuxième de la vidéo, vous verrez, on va essayer de faire un truc un petit peu plus balèze. Bon alors, qu'est-ce que tu me veux toi? Oula, il a une grosse masse, il veut saluer. Alors on va commencer par se saluer, oui, parce qu'il y a des émotes aussi. Voilà, bonjour, comment tu vas? Allez, vas-y, il va essayer de me pirouette cacahuète. Ah non, même pas. Allez, viens ici, saloperie. Voilà, je t'ai mis le premier coup, moi. Et allez, hop, t'es tout lent avec ton marteau pourri. Ah, tellement prévisible. Bing. Et je bing. Non, putain. Esquive, voilà. Eh salaud, il utilise une potion. T'es pas fair play comme mec. Et bah du coup je vais faire pareil, hein. Je vais utiliser des potions. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Moi je m'en bats les couilles que t'essaies de m'attaquer. Voilà, hop là. T'arriveras pas à me... Ah si, merde, là il m'a touché. Non. Saloperie. Oula, il m'a pas vraiment touché. Il m'a quand même touché. Bon, on va faire comme lui, hein. Regarde, petite potion, voilà. Est-ce que t'es deg? Ouais, alors là je suis un petit peu acculé dans un coin. Ah putain le salaud, non! Je ne t'ai pas autorisé à utiliser des potions, espèce de gros bâtard. Non, putain, est-ce qu'il va? Oh bah 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 bah. Ça m'énerve! Mon personnage qui veut pas bouger après ses attaques comme une grosse merde là. Non! Oula! C'est qui pique le cochon? Ah bah on va le brain un peu, regardez ça. Hop! Il veut se la jouer comme ça, et ben voilà, moi aussi je peux faire le connard. Et hop, je me soigne ici. Et lui il est mort. Il s'est cassé la gueule dans la lave. Et voilà, premier PVP fait. Alors c'était un PVP assez lame là pour le coup. En même temps il a voulu jouer au jeu des popos, hein. Bon, et ben on joue au jeu des popos. Là ce qu'on va faire, voilà, c'est qu'on va refaire apparaître un mec. Et je vais vous montrer un petit pouvoir assez trollesque qui est vachement sympa. Donc c'est avec de la magie. Donc je ne joue pas un mage, mais j'ai quand même quelques sorts à ma disposition qui sont plutôt des utilitaires. Alors il y a des sorts offensifs, d'ailleurs mage c'est complètement OP dans le PVP de ce jeu. Mais là, c'est globalement des utilitaires pour m'aider un petit peu dans mes combats. Donc là on va commencer par l'utilitaire troll que je possède. Alors là, regardez-moi bien ce pouvoir, ça dépend de la zone où je le fais. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire à l'intérieur ici même. Voilà, hop, je vais me transformer en objet. Et là du coup je peux m'amuser à remettre les armes comme je le veux. Et du coup je me positionne. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire semblant d'être une petite statuette dans le coin. Et des fois les gens sont très cons. Ah si si, des fois ils sont très cons. Donc là Yurly m'a envahi. Donc là je ne bouge plus. Enfin Yuri ou je sais pas. Je ne bouge plus. On va voir s'il va me passer devant sans me remarquer ou s'il va me remarquer. Alors là, déjà il me cherche. Là tu vois, regarde, il se balade. Quand il se balade comme ça, c'est qu'il me cherche, hein. Donc là tu vois, il se balade. Il se balade toujours, il m'a pas remarqué là, hein. Un petit peu bigleux. Ah, va-t-il m'attaquer? Non. Là il me cherche, voyez, il essaie de voir si je suis pas en bas des petits escaliers, etc. Donc là il passait devant moi plusieurs fois. Oula, il a... Regardez, j'étais bien en plein milieu de son écran là, putain. Regardez-le, le pauvre. Mais où es-tu? Je te trouve pas. Mais vas-y, j'arrive pas à te trouver. Et des fois les mecs, quand tu fais ça pendant une heure, ils se cassent après. Donc là dès qu'il passe, on va l'attaquer, le pauvre, hein. Ah merde, on l'a raté, bon c'est pas grave. Voilà, je suis là moi. J'étais transformé, Yuri. Bon Yuri, viens-tu te battre? Oula. Bon, Yuri se bat avec une hache et un bouclier en tenue de clair. Ah oui d'accord, il est en tenue de clair parce qu'il a des pouvoirs magiques. Alors regardez, là par exemple j'ai touché, on a bien entendu le bruit que sa chair s'est fait transpercer. Et pourtant, vous voyez, ça lui a pas fait de dégâts. Donc c'est vraiment le genre de truc que je vous disais qui est extra chiant. Oula, là, je pensais l'avoir, mais non, j'étais pas assez proche. Ça marche que chez les ennemis, ça pouvoir me toucher sans vraiment me toucher, quoi. Viens ici, saloperie.
Non, tu ne me toucheras pas, Yuri. Bon, t'arrêtes de jouer défensif deux secondes là, alors je peux lui. Ah, il veut se la jouer avec, avec une arbalète. Pourquoi pas? Regarde, moi aussi j'ai des armes. Hein. Hop là! Est-ce que t'es deck que moi si je peux me battre avec des trucs? Regardez-le! Il s'enroulait le pauvre. Eh ouais, moi ça passe à travers ton bouclier, mes flèches! T'as voulu jouer avec des flèches, bah regarde! Dans ton cul, les flèches! Eh bing! Regardez-le, regardez-le, le pauvre! Ah, il se soigne! Ok, il veut se la jouer comme ça lui aussi. Il veut se la jouer en mode je me soigne. Bon! Bah tu me laisses pas le choix, Yuri! En plus, il vraiment, c'est vraiment un gros troll ce mec parce que. Regarde, il m'a pas touché avec son coup de hache! J'hallucine, tu sais. Non. Ah, là, tu m'as pas touché. Tu m'as vraiment pas touché. Donc là, j'bing. Un petit coup critique. Retourne chez ta maman. Donc là, on va essayer de se transformer à partir de cette position-là. En quoi ça me transformait? Eh ben, cette fois-ci, en vase. Alors, normalement, le vase, dans cet endroit-là, c'est cramé. Surtout que c'est la transformation la plus connue. Donc, s'il me crame pas, c'est vraiment une grosse merde. Donc là hop on prépare l'arme à deux. Alors déjà il me cherche, ouais, il me cherche de ce côté là, il dit hop putain y'a personne. Allez vas-y, je vais chercher dans ce côté là. Il s'avance avec son bouclier en avant parce qu'il flippe le mec. Là je crois qu'il m'a remarqué là. Regardez le, regardez le. Là il voit un vase, il se dit no fucking can do. Là tu vois, regarde, 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 il recule. C'est qui c'est que c'est moi? Alors, je crois qu'il va falloir. Il est un peu con en fait, je crois. Je crois qu'il sait pas forcément. Est-ce qu'il le sait? Ah il le sait. Non putain il m'a quand même touché. Voilà, moi aussi je te touche, enfoiré. Eh merde. Et je bing, un petit coup critique dans le bide. Et voilà. Il m'avait, au moins lui, il m'a vu. En même temps, je vous avais prévenu, hein, le vase s'est cramé. On va essayer de se transformer un peu à l'avance, histoire de trouver une transformation sympa. Et là, on va faire un truc encore plus cramé. Parce que je veux dire, quand même, les mecs en général qui se battent sur spawn, ils sont là depuis un bail. C'est-à-dire qu'ils ont fait au moins des dizaines et des dizaines de PVP. Et voilà, ils commencent un petit peu à connaître la zone. Et là, tu remarques, il n'y a rien du tout à cet endroit-là. On va essayer de se positionner. Genre, attends, hop. Voilà, comme ça. Et en étant comme ça, on va voir si le mec va me cramer ou pas. Est-ce qu'il est con ou pas? Tiens, alors là, est-ce qu'il est con ou pas le mec? Ah, je crois qu'il m'a capté là. Hop. Eh ben non, t'es con, t'aurais dû m'attaquer avec ton arme. Hop là. Ah il a failli tomber mais il est pas tombé. Bah du coup c'est lui qui commence mal. Alors oula oula oula. Calme toi avec ton espadon de merde. Bien béni de 1907. On a un petit peu 900 ans d'avance mais on va te pardonner. Voilà et en plus il finit à poil. Il a un petit côté malade mental dans sa voix. Bon bref on s'en branle. On n'est pas là pour écouter ta vie. Voilà. En plus voilà, donc là normalement on a rejoint la confrérie, parfait. On se casse, ta gueule. Je m'en fous. On rejoint un duel. Voilà, allez c'est parti. On prie devant Nar Alma ou je sais plus quoi. Et on a trouvé un dueliste directement. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde hein, qui est PVP dans le jeu, c'est assez sympa. Allez, dépêche-toi là. Il faut aller péter la gueule à quelqu'un. Alors il y a deux arènes différentes. En tout cas, j'en ai vu que deux différentes. Il y a une, c'est un vieux pont tout pourri. Et un autre, c'est une arène assez sympa. Donc on verra si on tombe sur le pont ou sur l'arène assez sympa. Mais dans tous les cas, ça va saigner. Et peut-être que ça va être très court et je vais crever directement aussi. Il y a des spés complètement fumés. Moi j'ai une spécialisation assez basique. C'est-à-dire que c'est pas cheaté, c'est pas underpower. Mais disons que ça casse pas non plus trois pattes à un canard quoi. Alors qu'il y a des mecs en face, ils viennent avec des spés de psychopathe. Alors là on a de la chance, on tombe sur l'arène. Elle est plus rare en général. Donc ce qu'on va faire... Merde. Donc on va buffer notre arme. Voilà, avec des petits effets d'éclair tout qui coule. Let's go. Ah non, c'est pas l'arène, merde, c'est le pont. Ah. Il m'attaque avec des flèches. Alors, on va faire pareil. On va faire un concours de flèches. Regarde-moi ça, mec. Bing. Eh ouais, regarde, c'est comme ça qu'on touche avec des flèches, enfoiré, là. Bon, vas-y, tu vas te battre maintenant, Sister Ravageur. Le Ravageur de Sœurs. Eh, je bing. Regardez-le. Il est perdu, le pauvre. Eh, boum. Oula, il a quand même mis un coup le salaud. Et voilà. Non mais qu'est-ce que tu veux faire mec? Bon d'accord, essaie de péter ma garde en bouclier alors que je suis pas en garde. Non mais ça sert à rien ta technique. Moi je les esquive toutes tes flèches. Regarde, boum. Voilà, et en plus tu prends des coups.
C'est quoi ta technique de merde là, mec? Viens te battre. Vas-y, viens te battre. Ah, il va essayer de me faire de la pyromancie maintenant. Eh non, tu n'as pas le temps. Là, vous voyez, il a essayé de me cramer le cul. Et il m'a terminé mort. Et voilà, mon gars. Bien alors. Ah putain, c'est encore le pont là. Ouais, cette fois-ci, je me suis paniqué. Alors, en général, comme ils aiment bien attaquer à l'arc dans cette arène là, on va faire pareil. On va attaquer à l'air. À mort. À mort, jeune mage. C'est un mage tout pourri. Tout OP, le mage. Allez-le. Il a déjà perdu une partie de sa vie. Ah ah ah, jeune mage. Alors. Voilà, mon gars. Wow. Et boum. J'avais anticipé ta roulade, moi. Allez, hop. Regardez-le, il a déjà plus de PV, le pauvre. Et voilà. Ah merde, voyez, je l'ai touché, ça n'a pas marché. Et hop, j'esquive et hop, je te tue. C'est quoi ces vieux mages? Non mais sérieusement, à chaque fois ils sont là avec leur petite magie. Je vais te toucher, je vais te toucher. Puis t'esquives. Et puis là, ben, ils sont finis. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ryan Al-Kanani est encore sur le pont. Bon, on va encore y aller avec l'arc, hein. On va voir si les mecs se sentent. Encore un mage. Vous voyez, il y a que des mages tellement c'est OP, quoi. Regardez, lui, il a mis les boules. Allez, là, il me rush la gueule. Et il va essayer de me défoncer avec ses bouboules. Voilà. Ah, là, on l'a brain. On lui a brain ses bouboules. Ah, merde, 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 merde. J'aurais dû contre-attaquer. Voilà, enfoiré. Je les fous dans ton cul, moi, les boules. Ah, putain. Voilà, hop. Ah, il a pas essayé de me contre-attaquer, c'est dommage. J'aurais pu essayer de le brain un petit peu. Allez, vas-y. Bats-toi, jeune Ryan. Mais regardez ça, il m'a pas touché. N'importe quoi. Voilà. Allez, vas-y, bats-toi, Ryan. Allez, Ryan. Mais regardez ça, il m'a pas encore touché, c'est n'importe quoi. Ouais, je vous l'ai dit, ça c'est l'autre problème du PVP. C'est les hitbox pétés. Là, je vais d'ailleurs en crever. Et voilà, je suis mort. Putain, c'est énervant. Ça, je déteste, encore pire que la magie. Le mec, il te met des coups. Ça te touche pas, mais c'est genre à 50 cm, voire 1 mètre de ta position. Mais ça te touche quand même. C'est un truc de fou, hein. C'est fou. Ça me dégoûte. Voilà, première défaite de la soirée. Des bugs. C'est la classe, hein, quand même. J'adore, hein, ce genre de bug. C'est vachement sympa. J'adore ça. Ouais, c'est super. Ouh. Putain. N'importe quoi. Alors, en fait, si vous voulez, le pire, c'est qu'encore là, il avait une petite épée. Ça faisait pas... Ça faisait très mal, hein, mais ça faisait moins mal que certaines attaques. Il y a des armes, c'est pareil. Elles font déjà 2 mètres de long, voire 3 mètres de long pour certaines, sérieusement, hein, sans déconner. Et ils ont genre 1 mètre de marge des fois, où te touche pas, mais ça te touche quand même. Tu imagines, tu peux pas esquiver 4 mètres à la suite, toi. Des fois, c'est un peu n'importe quoi. Je pense que ça doit dépendre de la connexion des joueurs, mais d'un autre côté, si ça dépend de ça, bah ils ont beaucoup de connexions pourries parmi les joueurs, hein. Putain, bon allez, dernier duel. Si on tombe pas sur l'arène, rien à foutre. On va laisser tomber l'arène. Ah bah ouais. Il y a encore un autre modèle de PVP à vous montrer. Donc on va pas non plus passer 350 ans. Hein. Faut pas déconner avec la mère Michel. Ah, je l'avais dit que l'arène était rare. Hein. Toujours des ponts de merde là. Alors là on va se battre avec M-Facer. Est-ce que ça va encore être un mage, vous croyez? Ah parce qu'il y a que ça des mages annoncés dans ce mode duel. Il y a que des putains de mages. Eh ouais, c'est encore un mage. Vous voyez? Ah non, c'est pas un mage je crois. Par contre... Ouais, il se cache derrière. Non, c'est un guerrier, c'est un mec cool. Ah, ah, ah. Ok, bon. C'est pas grave. On va se battre avec lui. Donc lui, il a buffé son arme. Vous voyez, il essaie de me faire son attaque cheatée. Ah, putain, pourquoi il se relève plus vite, salaud? Ah, ça, il fait pas extrêmement mal, lui. Oula, on va esquiver en arrière. Ah, pyromancie. Ah, c'est pour ça qu'il fait pas mal, en fait. C'est un pyromancien. Allez, allez, ça y est, essaie de faire son sort, voilà. Regardez-moi ça! Pyromancie, non! Regardez, et en plus il me taunte, quoi. Le mec, il taunte. Oh, ça me dégoûte. C'est pour ça, en fait, c'est... La pyromancie, voilà pourquoi c'est OP. Le mec, il te fait un truc instantané et boum! Il y a des flammes partout. N'essaye même pas d'attaquer, parce qu'au moment où il a mis sa main dans le sol, même si tu l'as déjà attaqué, qu'il a pas fini son animation, du coup, les piliers partent quand même. Et comme vous le voyez... Ça tue en un coup. Et attends, et encore, hein, là,
Là, honnêtement, hein, j'ai une bonne résistance comme personnage. J'ai pas la meilleure résistance qui existe, mais j'ai une résistance correcte. C'est n'importe quoi. Bref, j'ai dit qu'on arrêtait les duels. On voyait que des mecs en spécheat mage, pyro, mes couilles. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller donc du coup. Allez, dépêche-toi. Allez, tu peux le faire. Voilà. On va voyager jusqu'au beffroi du soleil pour rejoindre la faction des nains. Et ça, c'est la classe. Mais donc, la faction des nains, c'est simple. En fait, ça vous permet d'envahir pour défendre en fait deux zones. Donc, c'est les beffrois. Donc, il y a le beffroi de la lune et le beffroi du soleil. Bon, ils sont pas cassés le cul pour le nom. Hein. Bref, donc là, on parle aux nains. Voilà. Ça c'est un des nains, il y a un endroit où il y a beaucoup plus de nains. Donc là je romps mon serment de la confrérie du sang, où il y avait les arènes, pour rejoindre celui des gardes cloches. On va appuyer sur start, voilà. Genre, vous voyez, genre, en plus j'étais même pas optimisé au niveau des bijoux, j'ai pas mis le bijou qu'il fallait. Je vais garder un vieux bijou pour me faire envahir plus souvent. Là on va mettre le serment de garde de cloche. Donc là c'est l'anneau qui me permet en fait passivement d'envahir des mecs qui envahissent cette zone qui est à peu près mon niveau. Donc là on va attendre que... que ça envahisse. Il y a un... Non mais il y a un cadavre. Alors il est où le salaud? Allez, il m'attend ici le salaud. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gros troll. Bon, espèce de merdeux là. Tu veux jouer à ça, regarde. Alors moi aussi je peux t'envoyer du feu avec des flèches. Allez, et hop 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 dans ton cul. Et allez, bouffe. Enculé de ta race. Il est déjà mis life, le salaud. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez-le! Il fait que ça! C'est une grosse merde! Ah, tu viens enfin de battre, hein! Ça y est, t'as raté honteusement tes deux attaques! Regardez, il se téléporte, il se téléporte! Il a une connexion de gitan, le mec! Et là, en fait, il essaie de one-shot! Bah, du coup, malheureusement pour lui, on est deux personnes à le ganker, hein! T'apprendras à jouer comme ça! Voilà! Enfoiré, va. Allez, bute-le, pote mage. Allez, vas-y. Balance-lui des éclairs. Oula, 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 là. Allez. Voyez les dégâts de l'éclair, quoi. Comparé à mes coups d'épée. Je vous avais prévenu, les pyros, c'est les pires lameurs. Chibi Cerberus, Zerberus. Ok, il est juste devant. Oula, putain, voilà, ça y est. Putain de mage troll. Allez, vas-y. Il est pas full vie, lui, par contre. Hop, il a perdu ses bouboules. Allez hop. Allez, oh my god, what the fuck. Ça passe à travers le mur. What? Même pas, je t'aurais salué moi. Oh, sort de mage. Moi mes attaques, jamais elles passeraient à travers le mur. Ça, limite, taper sur le mur ça me stunnerait à moitié. Lui il s'en fout. N'importe quoi. Les mages. Je me sens roulé. La magie, ça ruine complètement le PVP. Ça et les attaques qui touchent pas. Enfin, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Tout simplement. Toutes mes morts étaient dues à ça. On se demande pourquoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je suis dégoûté. Lan Ikari 22. Allez, comme c'est le dernier combat, on va se préparer. Sort d'éclair, la totale. Regardez le. Hop. What? Il a fait un. What? Il a fait un méga rush en avant. Ok, là Nikari 22, tu m'as un petit peu choqué avec ton rush. Oh. Tu vas arrêter cette technique de merde là. Soit tu te bats, soit tu te bats pas. Hein. Oh. Voilà, regarde. Ah putain, voyez, ça fait le bruit. Mais ça ne l'a pas touché parce qu'il était en forme d'invisibilité. Pendant la roulade, il y a une espèce de... Il y a quelques millisecondes en fait. Enfin, quelques centièmes de secondes même sur ce stade là. Même voire dixième en fait. Ah voilà. Voyez, ça l'a touché. Et il s'est enroulé là parce que j'ai mis le premier coup. Et le deuxième. Enculé là. Et le troisième. Et le quatrième. Et pas le cinquième. Oula oula, on se fait envahir par quelqu'un d'autre maintenant. Ah non non. Si si, c'est moi qui me fais envahir. Allez, maintenant il va jouer défensif, attendre que son pote vienne l'aider quoi. What? What? C'est quoi ces lags? Allez-moi ça. Ça l'a complet. Mais comment vous voulez jouer dans ces conditions quoi? Et en plus il y a l'autre enfoiré maintenant. Ah what? What? Voilà, là c'est le lag de folie. What? Il est retourné dans son monde lui par contre.
On va se soigner du coup, hein, parce que sans foire, il en a profité. What? What? The fuck? Bienvenue dans le PVP de Dark Souls 2. C'est super fun. Yeah, yeah. Nick ta race, je te voyais pas où t'étais, bordel. Et en plus, l'éclair, vous voyez, j'étais là, il est passé là. Ah bah, vers les goûts de mes couilles là, hein. J'aimerais bien que ça lag pas. En plus, l'autre mec a disparu, c'est la fête. Je pense que ma connexion ne lag pas en général, hein. Ça m'étonnerait que ça vienne de ma connexion pour le coup. Oh, je sais pas, hein. Peut-être le serveur qui a pété un câble. C'est des putains du tournoi deux fois de suite, on va niquer ta partie. Voilà. Bref, je pense qu'on a un petit peu couvert l'intégralité du PP de Dark Souls. C'est sympa, c'est fun, mais c'est moins bon que Dark Souls 1 pour plein de raisons. Hitbox complètement buggé, magie et pyromancie. Et magie noire et miracle complètement OP. Des armes au corps à corps complètement déséquilibrées. Et en plus de tout cela, des lags. Ah si. Je suis déçu à ce niveau là. C'est un excellent jeu, je le préfère à Dark Souls 1 largement pour son PVE. Mais son PVP pour le moment, même s'il a plus de contenu de diversité, ça fout les boules. Ah si, ça fout les boules. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Au moins maintenant vous savez plus sur l'état, en tout cas sur PS3 de Dark Souls 2 en PVP. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et sachez que demain, voilà, enfin demain, dans la journée où cette vidéo sera disponible pour vous, eh bien Tezo est disponible pour moi. Donc je vais commencer à évoluer dans le jeu et on va pouvoir se faire très rapidement plein de petites vidéos sur ce jeu, dont du PVP, en espérant sans lag. Ah si, j'espère sans lag là quand même, hein. Je l'espère. Ciao ciao. Yo!